Salut à tous, salut à toutes, c'est Dirk36 pour un tout nouveau Let's Play sur Tropico 5, full DLC, y compris le tout dernier Espionnage qui est sorti il y a à peu près un mois, un jeu qui est sorti il y a une année de ça, au mois de mai de l'année dernière, qui est issu d'une série déjà longue, hein, 5, hein. 5 épisodes qui sont plus en fait des demi-épisodes, hein, parce que ce qui est rajouté à chaque fois est pas énorme, c'est, beaucoup l'ont critiqué pour ça, on parlait de version 3.5, 4.5... Mais le jeu en lui-même est juste excellent, c'est un mélange de city builder, stratégie, gestion, qui se passe dans un environnement de république bananière avec des dictateurs complètement tarés. Notre conseiller Penultimo, j'adore, il est monstrueusement cynique, et puis il nous guide dans l'évolution du jeu. Alors, ici on va se faire la campagne, la dernière, qui est autour de l'espionnage. J'ai déjà un peu tout paramétré, j'avais ma petite dynastie. J'en ai pris une autre d'ailleurs, j'ai changé, ça change pas grand chose. Et puis on a le choix entre ces deux îles pour commencer, la Isla de Pulpo et puis l'Argo la Grande. Je sais pas trop, on va... Pulpo plus sinueux, plus monté. Ouais, on va prendre le Pulpo. Avant de se lancer, je voulais juste vous remercier à tous ceux qui suivent la chaîne, à celles et ceux qui sont abonnés. On arrive gentiment là, on est à 46. Le jour où je vous parle, on est quoi? Le 25 juin, c'est-à-dire jeudi. Merci beaucoup de me suivre, hein. Quelques-uns ont déjà quitté, mais les nouvelles arrivées ont compensé. Donc pour moi, je vais peut-être bientôt franchir le palier symbolique des 50 abonnés. Merci beaucoup. Je pense que je ferai une petite vidéo à cette occasion-là pour expliquer un petit peu ce que j'ai envie de faire et puis éventuellement répondre à quelques questions qui ont pu m'être posées ici et là. Donc voilà, encore merci beaucoup et puis on va se lancer sur la suite et même sur le début de ce Let's Play à Isla de Pulpo. C'est parti tôt. De tout temps, diverses obsessions ont façonné de grandes nations et ont fini par devenir la marque distinctive de leur identité nationale. Durant l'Antiquité grecque, Hélène a entraîné la destruction de la plus grande cité de l'époque. L'appétit sans fin de l'Espagne pour l'or a été à l'origine d'une ère de découverte et d'expansion. Tropico, pour sa part, dans l'une de ses nombreuses incarnations spatio-temporelles, est obsédé par un oiseau empaillé. Cette obsession façonnera la grande nation que Tropico rêve d'être depuis toujours. Ah oui, c'est la légende du Toucan Maltais, on doit retrouver ça, bref. Bonjour, gouverneur. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Je serai votre intermédiaire avec sa majesté. Puisse-t-il vivre toujours? Ainsi qu'avec la reine, puisse-t-elle... Oh. Pardon, je n'ai pas le droit de faire des commentaires à son sujet. Oui, donc au début du jeu, on est sous la coupe des colonialistes. On doit progresser, on doit demander son indépendance. Puis il y aura aussi le nouvel ordre mondial, les Illuminati du jeu qui viendront ici pour nous aider afin de rejoindre leur cercle et puis contrôler le monde. Bref, ici, là, c'est une petite quête, construire un donjon. Je veux bien, mais la récompense, c'est quoi? J'arrive même pas à la lire. Ça bug déjà? Super. Récompense. Excellent. Bon, j'accepte. Hein. Peut-être que là, je vais pouvoir la voir. Bonjour, gouverneur. Toujours pas. Bon, on aura une récompense. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Salutations, les quêtes du début? Oui. Des branches. J'ai une offre spéciale pour vous aujourd'hui. En tant que représentant de la couronne, je peux vous proposer d'acquérir votre propre licence commerciale. Ok, alors... Ah ouais, alors là, on commence quand même avec 25 000. Donc, qu'est-ce que je vais me prendre l'offre platine? Donc, c'est pour faire du commerce absolument indispensable. Ça me coûte 4 000 et j'aurai des offres commerciales supplémentaires. Ou 2 000. Allez, hop, c'est parti. Alors, on a tout au long du jeu des quêtes qui apparaissent. La grave pénurie de sous-vêtements empêche Sa Majesté de continuer sa campagne militaire. Comment pourrions-nous conquérir le pôle Nord et le pôle Sud si nos soldats sont des sans-culottes? Ils sont complètement à la rue. Bref, là, en gros, on doit construire un ranch. Ça nous permettra de faire des lamas. Et puis, est-ce que je dois exporter de la laine? Non, juste faire un ranch de lamas pour l'instant. Là, c'est moi, ici. Je me balade tout seul. Alors, ranch de lamas. Ça se passe par ici. Les lamas. Où est-ce qu'ils seront bien, nos petits lamas?
Là où c'est vert pour eux, ouais, on n'a pas des zones top, top, top. Je vais les mettre par ici, allez, hop. Ça nous fera une première quête de réussite. Alors, c'est important d'avoir, comment dire, des revenus. Donc j'ai déjà construit une plantation et des trucs qui rapportent. C'est le sucre, le tabac. Là ici on a de quoi faire, il faut que j'oriente là vers la route. On va se mettre comme ça. Paf. On va construire une route. Voilà. Pour que ça soit comme ça, ça ira plus vite. Sinon, les camions vont rouler dans la cambrousse et ça va pas aller. On va se prolonger un petit peu plus loin. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs ici? Donc là, le bureau des routiers qui est plein. C'est des employés illettrés. J'en ai à foison. Il y a 71 de population. Et là, j'ai juste fait un petit fail parce que la route, elle n'est pas orientée là où il faut. Ou c'est moi qui n'ai pas orienté le bâtiment là où il fallait. Allez, hop. C'est pas grave. On y a remédié comme ça. Ça, c'était mon range de lama. Voilà. Donc, il y a les gens de la construction qui vont arriver gentiment ici pour le construire, ce qui est déjà le cas. Là, je suis à 42%. Il me faut des maisons. J'ai des 2-3 bidonvilles ici. Au début, on peut construire que des maisons de campagne. Donc, c'est parti. On va s'en faire... Allez, deux. Hop. Ok. Le range des lamas, c'est fait. Le bonjour, donjon. Bonjour, gouverneur. Je ne sais même plus où c'est que je construis ce donjon. Là, c'est l'espionnage. Ah bah, c'est voilà, c'est ça. 4000 permet d'utiliser l'action arrêter un citoyen. Les citoyens arrêtés seront rééduqués et perdront leur rôle négatif. Pour accueillir 5 prisonniers. Bah, on va faire ça vu que c'est juste à côté du palais, comme ça on peut avoir un œil sur eux. Okay. Sa royale majesté m'a demandé de vous présenter cette citation. Ah oui, c'est parce que j'ai fait le ranch. Pour vos exploits au alors, nom de l'empire. 5000 pour moi, 5000 pour le compte en Suisse, pour les bonus. Ou prolonger de 12 mois. Bon, j'ai 4 ans et 4 mois, ça va. Allez, plus de fric. Le donjon, bah il va se construire. Là, il y aura le tabac aussi. Qu'est-ce que j'ai comme ressources encore dans le coin? Les bananes, il ne faut pas que j'oublie l'alimentation. Mais l'alimentation est gérée en partie parce que là, ça fournit de la bouffe. C'est maison de campagne, il y a un petit jardin. Et puis, au début du jeu, là, c'est quoi qu'ils m'ont mis? Du maïs. Il faudra que je diversifie aussi la nourriture. Il me semble que ça avait un impact. Et ça, je peux le faire avec un porc, un quai de pêcheur. Tiens, si, ça coûte combien? J'ai même pas regardé. Malin ça. Y a pas moyen de construire. Plus loin, non. Non. Il veut pas. Bon. Je sais pas pourquoi je peux pas là. Bizarre. Attendez, je revérifie ça encore. Bon, les bûcherons, c'est bien aussi pour faire du bois. Des ressources faciles au début du jeu. Est-ce que je l'ai pas mis assez dans l'eau? Mince. Il faut quand même que la route, elle soit sur terre, quoi, je sais pas. Ah, voilà. C'est moi qui le mettais trop dans l'eau, je crois. Allez, go, ici. On va mettre déjà la route. Moi, je suis à 14 000. Ah, il faudrait que je fasse une mission de Kato, là. Ça permet d'améliorer le bonheur du jeu. Enfin, le bonheur du jeu. Je dis n'importe quoi. Le bonheur et la satisfaction des citoyens. De même que toutes les structures scolaires, etc. Puis de où habiter. Bien-être média, mission catholique, voilà. On va se la mettre ici. Je suis à 26% d'approbation. 12 000. Il faudrait que je mette encore des plantations. Ça va pas être assez. Du tabac, il y a moyen? Ah ouais, là, c'est tout bien là pour le tabac. Si je me mettais droit comme ça, là on est pile dans le vert. Ok, je contournerai avec la route après. Ok. Alors, ici, là il y a une quête en plus. Le donjon. Construction. Ah oui, je peux aussi accélérer les constructions, c'est vrai. Mais là, 4000, non. On va se garder l'argent. Puis là. Les progrès technologiques sont la voie vers l'autonomie, gouverneur! Il nous faut plus de scientifiques pour réfléchir à des choses importantes et faire de nouvelles découvertes. Bon, en gros, Evita veut qu'on construise une bibliothèque. Ouais, ça peut se faire. Combien ça coûte déjà? 4 ou 5 000?
Bibliothèque, voilà. 5000. Après, il nous restera 4000, ouais. Je crois que je peux encore me planifier ça. C'est parti. Je pense qu'on peut même accélérer un peu, là, parce qu'il va pas se passer grand-chose le temps que ça se construise. Ah bah, il y a des bidonvilles vers les docks. Ouais, il faut que les habitations soient pas trop loin non plus. Je pourrais me permettre peut-être de construire un peu de résidence, juste là à côté. Hop, on peut les orienter différemment. Hop, et ça fait disparaître le bidonville. C'est plus joli. Ok, accélérons. Il n'y a pas de quête en plus. Ouais, il faudrait que j'explore un peu cette zone-là. Il y a une mine là. Ça, les mines, mais je crois qu'il y a une technologie. Ah oui, il faut que je mette des recherches. Amélioration de ranch, des mines. Cowboy. Voilà, dans cet ordre-là. Ah, puis j'ai pas de point de recherche parce que j'ai pas construit de bibliothèque. Bon, bah au moins, c'est déjà planifié. Bon, j'espère que la musique vous saoule pas trop, moi j'aime bien. Je suis pas fan de salsa et de musique latino, mais là dans le jeu, moi je trouve ça va nickel. Ouh, El Petrol. Ça, je sais même... J'ai pas de quoi l'exploiter maintenant de toute manière, mais ça c'est bon à savoir. Gouverneur, j'ai essayé d'obtenir autant d'informations que possible à propos du toucan. Mais peu marrer. De gens connaissent encore la légende du toucan maltais. Ok, mais alors je vais tenter de me renseigner auprès des plus vieux tropicains vivants, mais j'ai un peu peur qu'ils soient tous sourds ou qu'ils me bavent dessus. Peut-être même les deux à la fois, ça va pas prendre un certain temps, ok. Bon, bah on va suivre le fil de l'histoire. Ah bah voilà le donjon, ça s'est fait, oui, on avait vu. Voilà, il y a des gens dedans. 2500 de marchandises, c'est pas trop mal pour un début. Voilà, 4 mois avant le prochain. Ah, il y a une nouvelle petite quête qui est apparue. Là, on produit 285 mensuels. La okay. Campagne militaire de Sa Majesté ne se déroule pas très bien. Oui, ouais. Les Écossais, avec leur gracieux kilt, sont en route pour les pôles sans concurrent. Il nous faut des sous-vêtements, tout de suite. Ok. Mais est-ce que ça produit directement de la laine, mes ranchs? Oui, on va aller un peu moins vite. Où est-ce qu'il est? Bureau des chantiers, non. La mission catalogue, mais je l'ai mis où mon ranch? C'est sûr, bah, je suis bête. Voilà. Ranch de lama, production mensuelle. Oui, mais c'est ça. Ils produisent directement de la laine, voilà. 280, il faut que j'en exporte 3000. Faudrait peut-être que je construise même un autre ranch. Hein. Je pense que j'ai le fric pour... Allez, hop. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit qui est meilleur? Ouais, peut-être ici. On va faire le ranch là. Alors, ouh, qu'est-ce qui se passe? Presidente, il est passé pas mal de temps dans le donjon et les gens y ont plein d'histoires à raconter. Ça parle souvent de trahison, de mariage, de divorce, de trahison, d'amour, de trahison et d'un tas d'autres trucs palpitants. Alors, il faut avoir deux missions catholiques pour convaincre Juan de céder son héritage. Voilà, alors j'ai par exemple appris ce bon vieux Juan à un bel héritage qu'il voulait léguer à l'église tropicaine. Ok. Bon, 28%. Ok, mission catholique 2. Donc, il y a elle qui est en train d'être construite. 2000. Ouais. Je roule pas trop sur l'or, là. Hein. 2800, peut-être 3000 par mois. Ouais, ça me coûte combien? 2000. Ah oui, c'est bon, j'ai 8000, là. Alors, je mets deux côte à côte. Allez, je la déplace là vers... Le donjon et le palais. D'ailleurs, moi, je suis là. Là, je ne voulais même pas montrer ma tête. Ok. Effet du directeur, les rôles cachés. Ah oui, j'avais pris comme compétence spéciale agent, justement, en prévision de l'extension. Vous détectez les rôles cachés des tropicains 20% plus vite. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas joué. Enfin, en tout cas, au stade avancé du jeu. L'espionnage, bah, je sais pas, on va voir. On va découvrir. Ah, moi, il me faut des prêtres. Je peux en inviter pour 500. On verra s'il y en a qui viennent lors de... maintenant. Parce que j'ai... Comme vous le savez sûrement, on a les... Ah, les migrants qui arrivent bah, par le port. Alors, j'ai 3000 et quelques encore là. Nickel. La bibliothèque, toujours pas construite. Voilà, 10 000. Ouais, il faudrait peut-être que se construise encore du logement, là.
Ah, j'aimerais bien des cages à lapins là où. Attends. Elles s'appellent. Ouais, les maisons, les cages à lapins. Ouais, les appartements, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, on va faire quelques maisons de campagne encore. Je crois que c'est pas obligatoire de les mettre près de la route ou c'est peut-être mieux, ouais. Allez, une, deux, trois. Ça, ça doit aussi améliorer normalement le niveau général de satisfaction. Ça aussi, un petit pub, allez. Là, j'ai toujours pas construit les mines. Ah oui, les mines, mais il faut d'abord que je les recherche. Aucun point de recherche ? Ah, mais parce que j'ai pas encore fait la bibliothèque. Ah ouais. Bah, ce que je vais faire, je vais mettre en priorité. Élevé. Et on accélère. 4367 de marchandises, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Gouverneur, bien avant votre temps, ou même le mien, un grand nombre de joyaux furent découverts à Tropico. C'est ainsi que commence la légende du toucan maltais. D'accord, alors les joyaux devaient être rapportés au roi, mais un toucan entra par une fenêtre et avala tous les joyaux avant de s'en échapper vers la jungle. Pour avoir perdu les bijoux, le gouverneur de l'époque perdit la tête. Ok, d'accord. Je sais pas trop quoi en faire pour l'instant. D'accord, ça c'est notre ranch. La laine, on est à la moitié de la quête. Sans compter, là, ouais, j'en ai un autre. Là, ils sont à pratiquement 200. Ah non, c'est le bureau des routiers, ça. C'est le bureau des routiers. Mon autre ranch, il est là-bas, il est même pas encore construit. Ok. Bon, bah là on est en vitesse max. 3400. 2600, 2800. Dans un mois arrive le prochain bateau. Allez hop, il y a tout, ils rapportent tout avec leur brouette, tout ce qu'il faut. 3256. Voilà la bibliothèque, mais il faut qu'il y ait des gens qui travaillent dedans. Ce serait mieux. Ok. Alors, il a tout pris le fric. Je suis à 88 de pop, 30%. C'est bon, la satisfaction monte un petit peu. Ah, je pourrais inviter quelqu'un quand même. Ah, c'est bon, il y a déjà quelqu'un. Est-ce que ma recherche s'est lancée du coup ? Dans 13 mois. Ouais, c'est pas dans la veille. Je pense que je peux améliorer ça avec lycée et compagnie. Vieille branche, alors. Je vous ai dit que la reine voulait le toucan. J'aurais peut-être dû préciser qu'elle le voulait maintenant, immédiatement, tout de suite, sur le champ. Mais qu'est-ce que vous attendez, merde. Espèce de paysan. Alors, je suis navré d'avoir remis ce petit détail et je vous invite à arrêter vos recherches pour tout vous dire. Et là, je vais paraphraser la reine. Il faut le trouver, il faut le trouver, il faut le trouver, il faut le trouver. Et si je me permets de vous presser, c'est que la vieille harpie, pardon, sa majesté la reine, pourrait bien finir par réclamer nos têtes. Eh ben, moins 20 de relations, bam. Ouais, moi, je veux bien le trouver, mais voilà, quoi. Voilà. C'est quoi ? Perla et Chabelita. Ouais, on va un peu moins vite. Presidente, comme vous le savez, votre volonté seule maintient Tropico en un tout unique. Sans vous, toute l'île s'effondrerait dans la poussière et l'oubli. Ok, ouais, il faut que j'ajoute un membre à ma dynastie. Alors, j'ai 89 cousins, etc. Il faut organiser un test. Donc, de bras de fer, de chant, de natation synchronisée. Et je n'ai besoin d'un successeur. Je n'ai pas besoin d'un successeur. Ouais, allez. À la naissance de l'héritier, tous les animaux se turent. Allez, roi du pétrole. Steampunk, nickel. Allez, jaune mangue, non. Vert pistache, c'est nickel. Ouais, il est beau comme ça. Oh putain de merde. Oh putain, bien hipster comme ça, nerd. Ouais, très bien. Noir, blanc. Ouais, ok, chapeau. Ouais, non, le haut de forme. Ah non, cowboy, j'aime bien. Accessoires, ouais, moi j'aime bien. Les petites lunettes. Ah, les cigares, ouais, c'est bien aussi. Allez, go. Donc, Elian Elderco. Ok. Non, mais non, nous on veut lui. Voilà, ça c'est moi, c'est Modesto.
Ok, la mission catholique. Est-ce que j'en construis une deuxième? Direct, droit derrière. Allez. Ou alors de l'éducation, non, ouais, le lycée. Ouais, c'est dès que j'avance dans le temps, c'est à partir des guerres mondiales, j'aurai droit au lycée. Comment je peux avoir des points de recherche en plus? Est-ce qu'il y a des décrets qui me permettraient d'avoir plus de recherche? Alors, je vais juste voir s'il y a un décret, je m'en souviens plus. Non, la constitution, c'est pour après. Bon, les rations supplémentaires, droit aux armes, impôts sur la fortune. Non, pas pour l'instant. Baisse d'impôts, non, surtout pas pour l'instant. Bon, alors on avance. Les choses se gâtent, vieille branche. Et par là, je veux dire que ça sent très mauvais pour vous. La reine d'accord. Est très mécontente. La reine, hein, d'accord. Proclamez l'indépendance. Conserverez et votre tête, mission gagnée. Ok. Sa mocheté. Pardon. Sa majesté. Ah, 12 mois au moins. Son toucan. Alors, moins vite. Proclamez l'indépendance. Les choses se gâtent, vieille branche. Il faut. Et par là, je veux dire que ça sent très mauvais. Presidente, il est passé pas mal de temps dans le donjon. Bon, ça, c'est les autres missions. Ouais, bon, c'est un peu chaud de proclamer l'indépendance tout de suite, là. Puis d'ailleurs, je crois que je peux même pas. Hein. Je peux même pas. Je sais même plus comment on faisait ça. Est-ce que c'est la guerre mondiale? Ou il me semble qu'il faut avoir en tout cas 50% de la population qui est d'accord avec le leader. C'est pas encore le cas. Ok, en attendant, ça construit. Ah mais oui, la mission catholique. Mais j'ai vraiment la mémoire d'un poisson rouge, elle est en route. Les maisons de campagne, ok. La laine. Militaire de ouais, j'aurai le mandat qui sera prolongé de 6 mois, parce que là, dans 1 an et 7 mois, ça va être chaud. Hein. J'ai perdu, en gros. Ok. Ça roule. 3900, la couronne, on va encore du fric. Il faudrait peut-être que je construise une tour de garde. On sait jamais, ça aussi, si jamais ça merde un peu. La tour de garde, on va la mettre assez proche du palais. Allez, hop. Une. Et puis ici, là. Voilà. Ok, on accélère un peu. La mission catholique, la laine. Quand c'est qu'il arrive, ça devrait être bon pour la laine, là. 1500, ouais. Là, on va accomplir le truc. Royale Majesté m'a demandé de vous prolongation du mandat. Cette ouais, allez. Les choses se gâtent, vieille branche. Mais il n'y a pas des. Et par là, je veux dire que ça sent. On dirait des conditions minimum. Oula, il y a plein de gens qui arrivent sur l'île. Voilà, les nouveaux citoyens, on est à 107. Les deux missions catholiques, c'est bon. Et la recherche. Dans un mois, je pourrais faire la mine. C'est quoi d'ailleurs ça comme mine? Charbon, bon. La révolution est une lutte pour la liberté. Et rares sont ceux qui ouais. sont plus libres d'accord. que les pirates. D'accord, on va construire un peuple pour avoir le soutien de la révolution. le peuple... Non, c'était ici. Allez, ici. On va le mettre en priorité. Une équipe de recherche composée de moi seul a des... Ah merde, j'ai pas eu le temps de voir. J'étais en train de réfléchir à... En fait, que je voulais construire une mine. La mine, c'était là, voilà. Ouais, il faut amener une route. Voilà, ici. Tac. Et voilà, la route de la mine. Et ah oui, puis il faut que j'explore un peu. Ça va me coûter 1000. On va aller voir ce qui se passe par là. Bon. Juste un peu inquiet par le fait que je dois proclamer l'indépendance si vite. Excusez-moi, je buvais un coup. Alors. Le pub. Ça se fait. Et puis. Qu'est-ce que je pourrais leur construire en plus de tout ça? Ça va pour l'instant, je pense. Plantation. Tabac, sucre, le café, ça peut être bon plan ça aussi. Ouais, puis là il y a des bonnes terres pour le café. Là, c'est ouvert. On va se mettre un peu en arrière. Voilà. Hop,
la petite route qui va avec. Si je peux... Non, je peux pas faire passer la route là, évidemment. Peut-être que j'ai... Quand est-ce que j'ai moyen d'avoir des maisons un peu meilleures? La maison, c'est à guerre mondiale, ouais. On n'y est pas encore. Ok, bah on accélère. 30% de soutien. Tac, le pub est fait. Grâce à vos efforts, les mouvements révolutionnaires deviennent plus forts. Ouais, des citoyens éduqués. 2000 nouvelles routes commerciales avec des contrebandiers. Allez, des révolutionnaires. Les choses se gâchent. Il me reste 2 ans et 8 mois. Là, on est en train de rechercher Cowboy. C'est pour améliorer les ranchs. Débloque les améliorations de plantation. Et puis ça, il faut une technologie supplémentaire pour le fort militaire. Les contremaîtres, compétences de productivité, les planches, la série. Ok, ça marche. Est-ce que je me ferai un petit bûcheron là? Enfin, est-ce qu'on prend une petite exploitation forestière? Un camp de bûcheron. Ah là, là il y a du bois. Hop. Et voilà. Cappuccino, ça c'est fait. Bon, ça roule, il me semble. Le temps file. Un peu plus vite. Pas de nouvelles quêtes. Ah, les tours de garde qui se construisent. Là, on est à coin. Magnifique. Quelqu'un m'a volé un manuscrit et l'a publié sous un faux nom. C'était le récit autobiographique de deux hommes qui vivent à la montagne et apprennent à se connaître en profondeur. C'est vraiment pas très gai comme histoire. Putain, les mecs. Bon, alors, on a une amélioration des ranchs. Magnifique. Référence à peine voilée à Brockbine Fontaine. Dans un éclair d'intelligence, Sa Majesté a compris comment régler tous les problèmes de l'île grâce à la construction d'un seul bâtiment. D'accord, on va faire du coton. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire en J'ai plus? J'ai enfin de bonnes nouvelles, vieille branche. J'ai parlé à ce MacGuffin. Il sait vraiment chasser plusieurs lièvres à la fois, même si les solutions qu'il suggère me semblent un peu sauvage. D'après lui, si nous arrêtons suffisamment de personnes, nous tomberons forcément sur quelqu'un qui aura des informations à nous donner. Et la couronne sera ravie de nous voir prendre des mesures drastiques pour trouver ce toucan. Alors, arrêtez 3 citoyens et demandez à prolonger de 12 mois. Alors, on disait une nouvelle plantation. Ouais, j'ai le fric. Alors, attends, avant de faire la route, il faut peut-être que je vois où c'est bien de faire du coton. Plantation de coton. Bah ici. Hop, on va faire passer la route là. Poum. Et voilà. Ça, c'est fait. Plus qu'à construire. Ensuite, comment j'arrête les citoyens? C'est via le donjon, j'imagine. Ah non, il faut que je les cible. Au hasard. Ça va me coûter 1000. Approbation 28%, il est fauché. En tôle! C'est des gens qui foutent rien, hein, pas mes travailleurs, merde. Ouais, ma maman. Je peux l'arrêter. Je peux arrêter la petite fille. Enchantée. Alors, elle, une mère de famille de 47 ans, bon, elle m'aime bien. Non. Bonjour. Lui, il aime bien. 51, non, moi, je veux que des gens qui m'aiment pas, hein, tôle. Ça, je sais même pas qui c'est. Ay, caramba. 100%, non, je peux pas le foutre en tôle, c'est un pote. Aïe, 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 aïe. Non, mais il m'aime trop, les gens. Président. Voilà, 42%. 29 ans, hop, arrêté. En plus, pas trop de famille et tout. Il peut vous aider. Je peux arrêter un de mes soldats. Ah, il m'aime pas du tout. En tôle. Voilà. Ah ouais, en fait, on peut voir les gens là quand ils sont arrêtés. Donc ils ont le contrat, entre guillemets, sur eux. Et puis il y a les flics qui vont les choper. Hein.
Il court, ouais, j'ai même pas vu. Il est rentré à la maison. Bon, ça c'est fait. Excellente nouvelle! En fouillant les caisses de nos réserves coloniales, ah ouais, c'est nouvelle technologie. La faucille. Ouais. C'est incroyable à quel point elle s'accorde à merveille. Amélioration des plantations. Genre, changer la culture. Non, non, non. Comment je pouvais les améliorer déjà? Travail, efficacité, amélioration, voilà. Fertilisation des fibres. Augmente de 10 l'efficacité de toutes les autres plantations de fermes hydroponiques proches. Fonction de l'efficacité. Ça me coûte 4000. Allez, go! On se la tente. Combien j'ai de marchandises? 3008 de revenus attendus. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a à peu près lancé ici. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais mettre en pause le jeu parce que ça défile trop. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Bah moi je suis tout content de rejouer à Tropico. Si vous avez des questions ou des remarques, pour mes... si vous voyez que je fais des grosses conneries comme d'hab, lâchez un petit commentaire, voire même un j'aime si ça vous dit. Abonnez-vous, j'aimerais bien atteindre ces 50 abonnés d'ici les deux semaines, et puis je vous ferai une petite vidéo pour marquer le coup. Allez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, nuit, journée, dans le désordre. C'était DRK36 sur Tropico 5. À bientôt, ciao.